J'aimerais simplement, mesdames, messieurs, que nous accueillions devant vous, ici, quatre des membres de cette épopée. Et je voudrais simplement, messieurs, que vous puissiez vous mettre devant les gens afin de recevoir un petit présent de la ville de Charleroi, sous la conduite de leur capitaine, Otandu Kimundu Kidumu, Kidumu. De l'accueillir, M. Mayanga, Kibonge et Kakate. Voilà, je vais demander simplement aux autorités de la ville, Kalef, tu peux peut-être les aider, M. Tanzili, M. Kilik, de remettre les présents qui ont été prévus par la ville de Charleroi pour ces quatre stars du football africain. Alors, Alain, il y a un monsieur ici qui est connu de tout le monde. Oh là là, mais j'allais l'oublier. C'est parce qu'en fait, il a mangé ce midi à côté de moi. Et je te jure, je n'avais rien. Hein. Tout il prenait. Voilà. Eh bien, on va joindre à cette très belle cérémonie quelqu'un qui est très connu dans le football cabolo. Petit Paul Cabella, s'il te plaît. Tu veux bien accompagner les autorités de la ville pour remettre les repas, leur récompense tellement méritée. Voilà, monsieur. Voilà, c'est. C'est les journalistes de Charleroi. Donc voilà, ça c'est un souvenir pour vous remercier de votre passage ici, pour vous féliciter. C'est vrai que 36 ans après. En plus, nous les Belges, je ne dis pas que ça fait aussi longtemps que les Congolais qu'on a été une Coupe du Monde, mais ce sera bientôt le cas. Donc, voir des gens qui ont participé à une Coupe du Monde en Belgique, c'est tellement rare qu'on est vraiment très heureux. Monsieur Cabella. Petit Paul Cabella. Petit Paul. Il était mon petit. Troisième, Mayanga. Adela Mayanga. Mon beau-frère, qu'est-ce que je dirais? Je suis ton. Le beau-père, parce que ton. La grand-père de ton. De ta femme, c'était les grands messieurs qui t'attendaient. Même les stades, les noms. Le nom du stade? Oui. Le stade Montaigne. Il faut rappeler que Petit Paul a vu naître beaucoup, beaucoup de joueurs, grandir. Il est ici depuis plus de 60, c'est 60, hein, c'est bien ça? Voilà. 50 ans. Donc lui, ce soir, on fête les 50 ans du football africain, mais lui, ça fait 51 ans qu'il est ici. Chaque fois que je pose la question à un Marocain, tu connais Congolais, il me dit, tu connais Paul Cabella? Tu poses la question à un Turc, tu connais Paul Cabella? Tu poses la question à un Italien, tu connais... Alors, s'il est plus connu que moi et vous, c'est impossible. Donc c'est vraiment la personne de référence dans le milieu congolais et cabolo. Merci pour vous. Il reste un joueur. Monsieur Kakoko, qui est venu d'Allemagne. On l'appelle le dieu du ballon.
Voilà, un grand merci aux autorités de la ville de Charleroi. Et on va laisser dire un mot au capitaine de l'équipe, peut-être. Raoul. Je crois que nous tous qui sommes là, nous n'avons qu'à vous remercier beaucoup, surtout de votre présence ici. Et surtout de suivre aussi les films qu'on va projeter tout à l'heure. Hein. Parce que pour nous, c'était vraiment une très belle aventure avant, pour aller à la Coupe du Monde, comme l'a dit monsieur, monsieur Alain Vert. Bien, heureusement que Monique et les siens, et les KBR aussi, pas les petits KBR, mais eux, ont tout fait pour quand même faire naître un peu cet événement-là, pour que cet événement-là reste, disons, gravé dans nos cœurs. C'est pour cela que je tiens vraiment à vous remercier, vous tous qui êtes ici présents. En tout cas, nous n'oublierons jamais que ce moment et surtout l'ambiance qui règne, comme l'a dit monsieur Antoine Tarani, il ne fallait pas qu'on passe avant, qu'on passe après, il fallait qu'on passe avant pour que cet événement soit toujours un événement vraiment, disons, de retrouvailles. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous. Voilà, messieurs, avant que vous ne quittiez cette scène, je vais joindre une personne à vous. Je vais joindre une personne parce que leur travail est souvent très difficile et tous les joueurs sont conscients de ça. Et vous savez de qui je parle ? Je parle des arbitres. Eh oui, et nous avons la chance d'avoir ce soir un arbitre international africain ayant aussi opéré lors de Coupe du Monde. Et je vous demande, en votre compagnie, d'accueillir l'arbitre Libambo. Parce que vous n'en aurez jamais une autre de ce genre. Ah, avec d'autres joueurs alors. Voilà. Et pour remettre le cadeau de la ville de Charleroi à monsieur l'arbitre Libambo, nous avons fait appel naturellement à la star montante de l'arbitre en Belgique, de l'arbitrage en Belgique. Vous le connaissez tous, naturellement. Il est originaire du Gabon, lui. Je vous demande une acclamation pour monsieur Jérôme Nzolo. Je vous demande une dernière fois une ovation générale avant que ces cinq ça reprennent leur place. Une ovation pour monsieur Kidoumou, Mayenga, Kidombe, Kagoto et l'arbitre Libambo.